Yop tout le monde, c'est Marcette, on se retrouve pour une deuxième partie des duels de cartes adrénaline. Comme vous savez, du coup, j'ai la partie défaite qui est là, partie victoire qui est là. Bon, je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième chance aux défaites, mais en fait, non, ça serait trop long, n'est-ce pas? En fait, si je fais des défaites, il y aura des duels, après je remets là-dedans, c'est-à-dire qu'il y aura un nombre impair, etc. Bon, c'est trop chiant, en vrai, c'est trop chiant, donc je vais pas le faire. Du coup, comme vous savez, il y a les gagnants qui sont là, donc on va remélanger. Et on va se partir sur cette deuxième partie de ce mini tournoi, mini concept, qui se passera en trois parties du coup. Je pense que ces gagnants-là, parce qu'il restera 19 bonhommes, je crois que je vais faire un Royal Rumble, tu vois. Un peu comme au catch, au moins ça fera trois parties, c'est fini, tu vois. En gros, l'idée d'un Royal Rumble, du coup, ça sera, je mets un duel, bam, 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 ça s'enchaîne jusqu'à qu'il en reste que un. Voilà. Voilà. Sauf si je rajoute les 3 limités à décision, au moins ça me fait 22. Et bon, si je fais des duels 22, 22, 22, il m'en restera 11. 11 bonhommes, quoi. Donc c'est encore un chiffre impair, donc ça va pas, quoi. Il aurait fallu que je commence avec 64 bonhommes. Et là, j'aurais pu faire comme dans la vraie vie, 64e, après 38e de finale, 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, etc. Là, j'aurais pu, tu vois. Mais bon, malheureusement, j'ai commencé avec 76 cartes, du coup, ça pose problème. Et bon, là, on n'a qu'à dire que c'est du coup le 38e de finale. C'est parti. Donc, j'ai mélangé. On commence avec un milieu de terrain directement qui aura la lourde tâche. Boum. Kovacic, 93 de milieu de terrain face à lui. Casemiro, 90. C'était un bon duel, ça. Hein. Attends, mais c'est Kovacic qui gagne, en fait. Je suis con. 93 face à 90. Casemiro qui perd face à au Power, évidemment. Casemiro qui perd déjà, attaquant. Lewandowski 95 face à lui. Keylor Navas 86. Lewandowski bien évidemment qui va marquer face à Navas. Bien évidemment les cartes Power, Game Changer, etc. À la fin, il ne restera que eux. C'est le but. Vinicius Junior 86 face à un goal 89. Le gardien arrête la frappe de Vinicius. Ils sont tous les deux brésiliens donc ils se connaissent par cœur. Évidemment. Gardien de but encore. 82 face à lui, un attaquant. Lukaku, 94. Bien évidemment, Lukaku, il gagne. Vous avez vu, hein, les cartes Goal Machine sera à la fin automatiquement. Défenseur, 82 face à lui, un milieu de terrain. 60, 83, pardon. Le milieu de terrain qui passe. Tu vois, la fan favorite qui passe aussi. Hein, mais c'était très serré en vrai. Ça s'est joué à un point. Malheureusement, ça s'est joué à un point. Attaquant, encore une fois, Karim Benzema, 95 face à lui, le gardien de but. 97 qui l'arrête, tu vois, le game changer. Ça s'est passé à deux points. Le goal skipper, le top skipper, pardon, qui passe à deux points face à Benzema. L'arrêt majestueux de la part de Schmelzer. Karim Benzema, tu vois, il a 95 en attaque, c'était le mec qui est censé passer, tu vois. Défenseur, 94 face à lui, un milieu de terrain qui a 86, la défense qui se veut pas passer face au milieu de terrain ici. Hein. Défenseur, directement, on enchaîne. Glick, 87 face à lui, un milieu de terrain qui a 89. Jack Grealish qui passe directement, la défense va-t-il marquer? Ça, on saura pas, vu que c'est un jeu de cartes, il n'y a pas de but. Milieu de terrain 82 face à lui. Un milieu de terrain qui a 78. Le duel entre les États-Unis et l'Angleterre ici. Avec Anderson qui va passer directement. On enchaîne directement avec un défenseur. 89 de défense face à lui. Un autre défenseur qui a que 82 malheureusement. Carte brillante face à une carte base malheureusement. Walker qui est forcément plus fort dans la vraie vie. Qui va se faire éliminer. Akanji 81 face à Pavard 82 en défense. Pavard qui est meilleur qu'Akanji. Dédicace à Wari si tu regardes cette vidéo. Milieu de terrain. Ouh, la rookie 98. Tu vois, logiquement, c'est lui qui gagne à la fin parce que bon, il a 98 de milieu, quoi. Face à lui, Luis Suarez 90 d'attaque. Malheureusement, Suarez qui va se faire éliminer. Après, je vais peut-être faire un système de moins 1, à chaque match, parce que du coup, il diminue, tu vois. Logique. Il va diminuer en termes
de santé, tu vois. Pourquoi pas? Milieu de terrain, encore une fois, avec un 97. Ouh, ça s'est joué à un point avec l'autre, du coup. Face à lui, Rabiot, 81. Bon, malheureusement, Rabiot éliminé. Défense, 4, 78. Face à lui, un autre défenseur qui a 81. Dest qui passe. Boum. L'attaquant directement. Taremi, 82 d'attaque face à lui. Afif, 96 d'attaque. Tu vois, ça se joue à pas grand-chose là avec les Game Changers. Milieu de terrain, 91 ici face à lui. André Silva, 83 malheureusement. Ils ont tous les deux 83 en attaque malheureusement. Hein. Mais bon, c'est malheureusement le petit Arabie Saoudite Al-Farrage qui passe. Gardien de but. 86 de défense pour Unai Simon face à lui, un milieu de terrain. Game Changer, 98. Chaka, attends, mais Chaka, il a la même note que le petit rookie là. Ouloulou, il y aura un duel peut-être ici entre deux finalistes ici. Attaquant, Kylian Mbappé, 90 face à lui, un milieu de terrain. 80, Joalen. Tu vois, Mbappé qui est allé plus loin que Benzema, c'est triste. Les duels, c'est pas moi qui les choisis. Le dernier duel du coup qui va être. Matheus Ryan 79 face à Denzel Dumfries, donc 79 face à 83. Boom. Voilà. Bon, là j'ai fait la première partie, tu vois, c'est que 6 minutes. Donc en vrai, pourquoi pas faire le perdant des perdants qui s'affrontent, non? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en vrai. Parce que là, il me reste combien de cartes? Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tu vois, 19. Si je fais 19, la moitié de 19, ça va faire 9. Ouais, ben non, du coup, ça va poser problème, quoi. Bon, tant pis. On se continue, les gars, au pire. Allez, on se continue. Bon, au final, il n'y aura que deux parties, je crois. Alors, tous les gagnants qui vont se réaffronter, qui sera les regagnants? Je l'enchaîne hein, la vidéo, mais peut-être qu'elle sortira que demain, je sais pas. Ok, on a mélangé. Boum, on commence avec un milieu de terrain directement. Anderson, faites gaffe quand vous mélangez, vous pouvez niquer les cartes. Donc, si vous faites le même délire que moi, essayez de prendre des cartes que vous avez en plusieurs fois. Au moins, si vous l'abîmez comme là, je viens de le faire avec Anderson, vous avez un rechange. Donc là, il y a un duel entre Anderson, 82 de milieu de terrain, face à Pavard, 82 de défense. Du coup, on regarde la note en bas. Ils ont tous les deux 218. Du coup, on met match nul. Je fais quoi? Je mets les deux gagnants. Je les mets les deux en gagnant, au pire. Ça résoudra le problème. Hein. Bon, on va dire qu'il y a deux gagnants. Défenseur, ici. Jordi Alba, 89, face à lui, un attaquant, 95, Lewandowski, boum, magnifique, milieu de terrain, directement, Kovacic, 93, face à lui, Grealish, 89, malheureusement, Grealish qui va se faire éliminer face à Kovacic, milieu de terrain, Granit Xhaka, 98, face à lui, Lukaku, 94, Xhaka qui passe, qui laisse pas Lukaku passer ici. Gardien de but, Ederson, 89 face à lui. Défense, Dumfries, 83, malheureusement. Ederson qui passe. Mais Ederson, il a de la chance hein, dans ces duels. Ok, défenseur, 94, Koulibaly face à lui. Schmelzer, 97. Schmelzer qui passe aussi. Schmelzer, hein, attention, deux gardiens qui vont loin là. Hein. Milieu de terrain. 83, le petit Iranien, Jahoskic face à Kylian Mbappé. 90 qui passe. Mbappé qui va loin aussi pour le moment. Défenseur ici avec Jorginho Dest qui a du coup 81 face à lui, un milieu de terrain. Bellingham 98 malheureusement. Bellingham qui élimine Dest. Milieu de terrain encore avec De Acuesta 97 face à lui, un attaquant. Afif, le duel, malheureusement, ça s'est joué à un point. Afif éliminé à un point, le pauvre, malheureusement. Ah, ben non, il reste un joueur. Merde.
un joueur là. Merde. Là, tu sais quoi? Parce qu'il reste un joueur. Voilà, on va déterminer si E2 il passe ou pas avec ce dernier duel. La deuxième chance pour Pavard, qu'ils étaient un peu en stand-by. Attention, le milieu de terrain. Du coup, c'est 82 à battre. Hein. Milieu de terrain, 82 à battre. Et il a 91, bien évidemment. Du coup, il élimine les deux. Du coup, il me reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, mais du coup, il nous reste 9. Putain, ça règle pas ça. Bon. Éliminé. Boum. Ok. On enchaîne. Vas-y, on enchaîne, c'est quoi? On enchaîne. Il reste que 9 bonhommes, du coup, c'est chiant. Est-ce que je mets les Benzema et tout? Est-ce que je rajoute les limited éditions? Ouais, mais ils ont 99. Il y en a deux qui sont 99. Du coup, c'est triché, quoi. Ils vont forcément gagner, quoi. Non, c'est triché. Ils ont 99. C'est forcément gagné. Ok. Il n'en reste plus que 9. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va... On va faire jusqu'à qu'il n'en reste qu'un. Ok? On va la filer. On enchaîne, tu vois. On enchaîne, on enchaîne. Donc là, je mélange la première carte. Après, je la mets à la fin. Il rejoue à la fin, il rejoue, etc. Jusqu'à qu'il en reste que 1. Du coup, ça va être assez rapide, je pense, les gars. Pour cette finale, on va dire que c'est le Royal Rumble de la finale. Attention, je mélange bien. Dites-moi stop. Allez, je vous entends pas de toute façon, donc même si vous dites stop, ça marchera pas. Allez, go. On enchaîne. On commence avec un milieu de terrain. Alfara 91 face à lui. Bellingham 98, malheureusement. Farah qui sort, Bellingham, ouais, mais avec 198, il va gagner. Hein. Malheureusement, avec 190, il va gagner. Hein. Xhaka, 98, face à lui. Lewandowski, 95. Lewandowski qui sort. Xhaka, on le met derrière. Directement, le milieu de terrain. 91, 97, face à Mbappé, 90. Mbappé qui sort, malheureusement. On enchaîne directement. Schmelzel, 97, face à lui. Le milieu de terrain, 93. Schmelzel qui passe. On enchaîne avec le goal. Qui est à 89 face à Bellingham à nouveau. Qui est à 98. Bellingham qui passe. Xhaka, 98 face à lui. 97. Ah, à cause toi, l'argent, l'Uruguayen qui sort. Boum, il reste 3 bonhommes. Bellingham, 98 face à 95. 97, le petit Schmelzel qui sort. Et là, il reste deux bonhommes. Je l'ai un peu spoil au début. Les deux ont 98 de milieu. Le duel des milieux. Ça va se jouer à la défense et à l'attaque. Le cumulé des trois. Ça va faire une note. Alors attention, je vous montre. Boum. Les deux, ils sont là. Ils ont tous les deux. Du coup, je vais vous montrer tous les deux. Je spoil pas. Ils ont tous les deux en dessous. Merde. Je spoil du coup. Et là, en bleu, il y a écrit 98. Je sais pas si vous voyez bien. Et lui, pareil. Il a 98. Du coup, ça va se jouer au point. Évidemment, c'est évident. Donc, au milieu de terrain, ils ont tous les deux 98. Si on regarde le défense, la défense, la stat de défense, ils ont tous les deux 93, encore une égalité parfaite. Mais si on regarde l'attaque entre les deux, bien évidemment, Bellingham sera forcément meilleur parce qu'il a 96 face à Xhaka, 89. Si on fait un total des trois notes, malheureusement, Xhaka est à 280. Je vous montre, il est à 280. On voit pas bien. Et Bellingham est à 7 unités plus haute, 287 ici même. Du coup, le grand vainqueur de ce classement, Bellingham premier, Xhaka deuxième, Schmelzel troisième, Arquesta quatrième, Ederson cinquième, Kovacic sixième, Mbappé, Lewandowski et pour finir, Elfara. Voilà le classement qui est, ma foi, assez logique au final, hein.
L'idée, il est assez logique. Du coup, Bellingham avec 198 qui passe. Après, il y a Xhaka avec 198. Après, il y a Schmelzer avec 197. Acosta avec 197. Après, il y a Ederson qui a réussi à devancer Lewandowski, Kovacic, Mbappé. Il a fait des arrêts, il a fait des arrêts. Il passe, il passe, il passe. Il est là. Du coup, il passe cinquième. Alors qu'ils sont tous meilleurs, les quatre derrière lui. Mais bon, Kovacic qui passe devant Mbappé. Il passe devant Lewandowski aussi avec son 93 de milieu de terrain ici. Ouais, c'est pas très très logique. Logiquement, le classement aurait dû être différent. Mais voilà. Voilà pour cette petite vidéo, ce petit concept de duel. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc, grand vainqueur Bellingham, évidemment, c'est la carte la plus rare, 4 étoiles. Donc forcément, elle a gagné à la fin. Même si Xhaka, il s'est bien battu, le gold là. Même les trois Game Changer et Top Skipper là, ils avaient tous les trois 97. Donc ils ont tenu, mais bon. Bellingham, grand vainqueur de ce petit tournoi, ce petit concept. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je refasse, bah, bon, j'ai plus de cartes à racheter, mais si vous voulez, je sélectionnerai d'autres cartes. J'en choisirais du coup 64, histoire d'avoir un vrai duel à chaque fois. Pourquoi pas? Voilà. Ou même plus que 64, du coup. Le double de 64, ça fait. Je vous laisse calculer chez vous. 128, je crois que ça fait. Je crois, hein. Je suis pas sûr, mais je crois. 128, donc je peux faire avec 128 cartes et à chaque fois, on diminue, tu vois. Pourquoi pas? Si vous voulez faire ça, je le ferai en live, même s'il faut. Bref, n'hésitez pas à mettre le petit like. Le petit commentaire pour réagir à ce que vous avez pensé de ce petit mini concept. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis moi, du coup, je vous dis. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux aussi, j'allais oublier. Réseaux sociaux, Instagram, Discord, Snapchat. Si j'ai vraiment un des trois réseaux. J'essaye de faire des réseaux un peu différents, lointains, tu vois. Histoire d'avoir des différentes communes, tu vois, qui sont diverses, tu vois. Parce que Insta et Twitter, par exemple, on va dire que c'est plus ou moins la même chose. Snapchat, c'est encore ailleurs. Et Discord, c'est encore autre chose, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. J'essaie de faire des trucs un peu différents. Au moins, il y a un peu de tout public. Bref, voilà, ça c'était pour la petite aparté des réseaux. N'hésitez pas à partager la vidéo, du coup. Au moins, ça fait des vues. Plus il y a de vues, plus il y a potentiellement des abonnés. Pour qu'on monte ce palier, tu vois. Là, on a dépassé les 1002. Après, il faut aller les 1250, puis après les 1300, 1400, 1500. Faites-moi péter ça si vous êtes chaud. Voilà. Idée de concept aussi, parce que du coup, il y a les écuissons. Pourquoi pas, si je fais un autre épisode, si ça vous plaît, pourquoi pas quand il y a un écuisson, selon le pays qui est affiché, tous les éliminés de ce pays, par exemple, ils reviennent dans la course. Ça peut être une idée. Une idée de concept. Ça peut être une idée. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut être une idée. Après. Je sais pas. Ou tous ceux qui n'ont pas encore passé sont qualifiés direct, mais c'est bâtard, tu vois. Du coup, plutôt les éliminés qui reviennent dans la course. Ça peut être une idée. Bref, j'ai tout dit. Moi, je vous laisse là-dessus. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss!